Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce point, nous sommes de retour pour une autre vidéo. C'est un truc hors du commun des révélations. Vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas porter n'importe quelle chaîne ou collier sérieux. Une jeune fille ne savait pas que sa camarade lui donnait un collier mystique. Mais quand elle a porté ça, elle est tombée malade et quelque chose a failli se passer. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour se libérer de cela? C'est ce que nous allons découvrir ici, là, maintenant. Écoutons ça. Bon, bonjour, c'est mon histoire à moi. Je me souviens, il y a de cela très longtemps, quand j'étais, je fréquentais à Yaoundé, j'étais dans un lycée de la place, et j'étais en classe de 5e, je me souviens très bien. J'avais une camarade de classe, elle était Bassa d'origine, et elle avait un collier. Elle avait un collier qui était type collier un peu africain, quoi. Donc, c'était un peu comme avec un bois, hein, des bois sculptés et tout. Donc, voilà, moi, j'ai aimé, j'ai kiffé son truc, quoi. Donc, je lui ai dit, est-ce que, waouh, c'est beau et tout. Elle me dit, tu veux aussi ça? Je lui ai dit, oui, pourquoi pas, je veux bien et tout. Elle me dit, c'est ma grand-mère qui nous fait ça, si tu veux, je vais te ramener ça, je vais lui demander de te faire, je vais te ramener ça. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, vu que à mon âge, à l'époque, à nos âges là, est-ce que nous on connaissait des choses un peu bizarres? Moi j'ai accepté tout gentiment que voilà, je vais avoir ce beau collier. Donc du coup, ça fait peut-être 4 jours après, elle me ramène le collier, un collier confectionné pour moi. Je prends le collier tout naïvement, je le mets à mon cou. Sauf qu'elle m'avait donné le collier le matin. Toute la journée, je suis tombée malade à l'école, au lycée. Donc j'ai commencé à avoir mal, vous savez, mal à mon côté droit de ma hanche. Donc comme on dit souvent, la rate là, oui. Donc, c'était comme si un truc m'a attaché au niveau de la hanche. J'avais tellement mal. Toute la journée, je me sentais très, très, très mal. Donc, du coup, je me sentais tellement mal qu'à un moment, mes camarades m'ont amené à l'infirmerie du lycée. On m'a amené à l'infirmerie et tout. On m'a donné des paracétamol, tout ça. Ça n'allait pas du tout. Ça n'allait toujours pas. Donc, toute cette journée, je n'ai pas fait cours. Hein. J'étais juste couchée sur mon table banc. Je ne pouvais pas faire cours. Je ne pouvais pas recopier les cours. J'ai supporté jusqu'à la sortie des classes. Je rentrais. Je tenais à peine debout. Je vous dis, je marchais vraiment courbée. Mais je ne sais pas, à un moment, j'ai commencé à sentir une gêne au niveau de mon cou. J'ai commencé à sentir comme si la chaîne, le collier en question était en train de me gêner. Je ne peux pas expliquer, en fait. C'est comme si ça... J'ai senti qu'il fallait que je l'enlève, en fait. J'ai senti une gêne vraiment très, très forte et j'ai arraché le collier. Vraiment, je n'ai même pas détaché parce qu'elle avait... C'était un collier qui avait été fait avec des fils à tresser, quoi. À l'époque, donc, ils ont tissé ça bizarre, donc c'était pas vraiment très très solide. Donc j'ai tenu le collier, j'ai arraché carrément le collier. Je vous dis, dès que j'ai arraché le collier, paf, la douleur s'est arrêtée direct. Je dis directement. Donc ce que j'ai fait, j'ai balancé le collier et c'était bon là. Donc vous voyez, donc je voudrais sensibiliser vraiment nos enfants, vraiment qu'on envoie à l'école. Les choses que les camarades offrent et tout, vous ne savez pas de quelle famille ils sortent, quelles sont leurs origines, comment c'est, est-ce qu'ils sont simples, est-ce qu'ils ont, je ne sais pas, en plus elle m'avait dit que c'est sa grand-mère, en plus elle avait fait des jours avant de confectionner ça pour me ramener pour que je porte, je ne sais pas trop ce qu'il y avait derrière ce collier, mais je sais qu'ils avaient chargé ce collier, je ne sais pas trop de quoi, mais franchement, ne acceptez pas les cadeaux, nos enfants qui vont à l'école, là, faites attention, vraiment, n'acceptez pas les cadeaux de vos camarades, on vous ramène des choses, de la... tiens, je t'offre un bracelet, je t'offre une bague, je t'offre un collier, non, 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 vraiment, si moi, je n'avais pas vraiment mon esprit fort, parce que moi, j'ai un esprit fort, moi, je suis née comme ça, si je n'avais pas eu cet esprit fort qui m'avait amené à arracher le collier, peut-être que ça m'aurait fait un truc vraiment plus grave que ça.
Donc vraiment, c'était mon histoire que je souhaite, je voilà, je tenais à partager. Tu as entendu ça? C'est vraiment grave. Bonsoir, Gérald Douche. Bonsoir. Mais j'espère que tu vas bien. Alors, à citer les noms des personnes dans l'histoire. Je vais juste raconter, c'est pas très compliqué dans tous les cas. En fait, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé des vêtements. Voilà, ça venait, ça venait d'Afrique. Et la personne m'a envoyé des vêtements et tout. Il y avait pour moi, il y avait pour une sœur à moi. Donc, la sœur et moi. On était deux, donc la personne m'a envoyé des vêtements et tout, avec les tissus africains et tout. C'était super joli, hein, un ensemble vraiment magnifique. Mais quand j'ai reçu et tout, je lui ai dit « Ah oui, j'ai reçu les vêtements et tout, merci beaucoup. » Voilà, j'étais contente. Mais à ma grande surprise, c'est que en fait, les vêtements, quand je les avais récupérés, je les ai posés dans un coin de ma chambre. Je ne les ai pas mis dans mon armoire ou quoi, je les avais posés un peu plus loin. Elle s'est restée là, une semaine est passée, deux semaines, trois semaines. Après, la personne, elle me dit « Ah oui, mais les habits que je t'avais envoyés, est-ce que tu les as portés, t'as essayé, est-ce que ça te va, voilà, machin. » Après, je lui ai dit « Ah ouais, j'avais oublié complètement que voilà. » Enfin, je lui ai pas dit que j'avais oublié, mais je lui ai dit « Ah oui, c'est vrai que j'ai pas encore eu le temps d'essayer, mais t'inquiète pas, je vais essayer. » Mais il s'avère que moi, j'avais posé les vêtements là-bas et en fait, dans mon intuition, je le sentais pas d'essayer les vêtements, en fait. Je sentais pas qu'il fallait que j'essaie les vêtements. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a quelqu'un, on a emmené les vêtements. Enfin, comme je sentais pas les vêtements, je voulais pas essayer, je voulais pas aller à l'encontre de mon ressenti. Ce que j'ai fait, c'est qu'on a emmené les vêtements à la prière. Voilà. Et en emmenant les vêtements à la prière, il s'avère que voilà, les gens qui ont prié dessus, ils ont dit que les personnes, enfin, le vêtement, il était envoûté, en fait. Il y avait quelque chose dedans qui était contre moi, en fait. En gros, j'aurais mis les vêtements là, il me serait arrivé quelque chose ou autre, quoi. Enfin, j'aurais pu faire un accident ou autre. Donc, ce qu'on a fait, c'est que les vêtements, on les a pris, après, on les a brûlés. Et voilà. Juste pour conseiller certaines personnes qui aiment bien qu'on demande les trucs, machin, qui ont l'habitude de porter les vêtements des copines et tout, etc. Quand on vous envoie un truc, soit vous priez d'abord pour ça, et surtout, si vous le ressentez pas, si dans votre esprit, là, vous sentez pas qu'il faut que vous puissiez porter ça ou qu'il faut manger et tout, etc., ne le faites pas, en fait. C'est juste un conseil. Voilà. Ça veut dire que si vous recevez un truc et puis vous n'êtes pas trop chaud pour porter la chose, ce petit doute-là seulement suffit pour que vous ne portez pas la chose. Ou bien si vous n'avez pas encore acheté la chose au marché, si vous avez des doutes comme ça, n'achetez pas. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà mon histoire. Histoire, mais qui ne veut pas vivre. Vous ne manquez pas l'occasion. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais partager avec vous une expérience que j'ai vécue qui remonte à plus de 17 ans. À l'époque, je vivais à Pointe-Gentille, je suis gabonais, je vis au Gabon, donc dans la province de Pointe-Gentille. J'ai rencontré un jeune homme à l'époque, Pointe-Gentille est la capitale économique du Gabon et le pétrole est l'une des richesses qu'il y a au niveau de Pointe-Gentille. Donc j'ai rencontré un jeune homme qui très bel homme, il travaille dans le pétrole, il est pénosas et tout. Voilà, c'est le Gabon quand tu tombes sur quelqu'un comme ça. Donc le gars et moi, on se fréquente un peu tout le temps. Et après, des vrais sentiments s'installent, on décide de sortir ensemble, d'être en couple. Avant de compléter. Les choses avancent petit à petit, c'est comme ça, j'allais souvent chez lui et il venait chez moi, mais jamais j'avais dormi chez lui. Et souvent on avait des rapports sexuels, comme tous les couples, des rapports sexuels, c'était bien, c'était... Mais au bout d'une semaine, le gars ne me faisait plus de rapports sexuels. Il ne me faisait quasiment plus de rapports sexuels. Donc il me faisait, en fait, il prenait plaisir à me caver par l'arrière, donc à l'anus. Bon, moi je me disais, mais c'était un délire, c'est un truc qu'il aimait bien. Moi à l'époque j'étais naïve, j'étais une gamine, donc je me disais que voilà, c'est normal, quand t'es en couple avec ton homme, tu dois faire plaisir à ton homme. Donc il passait plus de temps à me caver par l'anus
que d'avoir des rapports sexuels normaux avec moi. Et souvent, quand il le faisait, après, j'étais tellement épuisée, j'étais fatiguée que je finissais par m'endormir, mais vraiment fatiguée de chez fatiguée. Donc, au bout de 2 mois, un jour, il m'invite chez lui dormir. La toute première fois qu'on arrive chez lui, on a mangé, on a passé une agréable journée. Mais d'abord, je vous précise que le monsieur, en fait, au-delà de son travail, il est passionné de peinture. Il est passionné de peinture. Et j'avais remarqué un truc chez lui, c'est qu'il avait beaucoup de tableaux. Le tableau qui, il dessinait tout le temps des sirènes. Plusieurs types de sirènes de manière différente. Mais vraiment, il était passionné par ça. Moi, je me disais, mais c'est... Il me dit, non, en fait, il est passionné par cette créature que personne ne maîtrise. Nanana. Bon, bref, après, moi, j'ai zappé. Je ne me suis pas accentué là-dessus. Donc, la soirée auquel je vais dormir chez lui, on mange, on suit la télévision et tout, parce que lui louait une grande chambre américaine. Quand tu rentres, automatiquement, tu as le petit salon qui est là. Au fond de la pièce, tu as le lit. Du côté droit, tu as le meuble du salon et tout. Après, tu as la porte de la douche. Mais devant la porte de la douche, il y a le lavabo de douche avec le miroir. Je ne comprenais pas pourquoi c'était pas dans la chambre, dans la douche, mais parce qu'il y avait quand même la séparation de la douche et la grande chambre américaine. Donc, bon, c'est sa maison, je ne vais pas juger comment, pourquoi elle était comme ça. Donc, ce soir-là, on a fini de manger. Après, je me suis brossé les dents et on a eu des rapports comme d'habitude. On a commencé bien. Après, moi, je me plaignais parce que je disais, mais on n'arrive plus à avoir des rapports sexuels normaux. Il me disait, mais écoute, moi, c'est mon truc, j'atteins mon orgasme comme ça. Donc, il m'a refait la même chose qu'il faisait depuis un bon moment. Donc, me caver par l'anus pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et je me suis endormie. Maintenant, pendant mon sommeil, j'ai fait un rêve, j'ai fait un songe. Mais le rêve était super étrange. Super étrange. Il y a ces types de songes où tu as l'impression d'être éveillé, de vivre la chose réellement. Il y a le songe où c'est le songe, tu es inconscient, mais il y a ce type de songe-là où tu es... où c'est tellement réel, tu ressens la chose, mais de manière réelle. Donc, moi, dans mon songe, et tu me réveilles normalement, parce qu'il y a quelqu'un qui toque à la porte, donc je me réveille, je vais, j'ouvre la porte, ça c'est dans mon songe, j'ouvre la porte, et il y a une femme qui est devant la porte, elle me dit bonsoir, je réponds oui, bonsoir. Est-ce que le monsieur, on va l'appeler Guy, est-ce que Guy, il est là? J'ai dit oui, il est là. Donc moi, dans le sens, je ne sais pas qui est la dame, je ne sais pas quel rapport ils ont. Et après, je vais vers le lavabo pour me mouiller un peu le visage parce que j'avais chaud. Ça, c'est dans mon songe. Quand je tourne le dos à la dame, à un moment, je sens mon corps se glacer. Parce que la dame s'approche de moi. En fait, j'ai pas eu le temps de vraiment regarder son corps intégralement, ni son visage. Mais ça s'est fait tellement vite. Tout ça, c'était dans le songe. Ça, c'est tellement... Quand j'ouvre la porte, elle rentre. Moi, je tourne le dos. J'ai pas prêté attention à la dame. Mais mon sang s'est glacé. Mon corps s'est glacé. Et j'avais du mal à respirer. J'avais l'impression que l'on me tire. En fait, on m'aspirait toute l'énergie que j'avais. Donc, à un moment, je m'efforce à aller vers le lavabo pour essayer de me mouiller le visage, prendre un peu de l'eau. Mais en même temps, quand j'avance, la femme derrière moi, elle me chuchote à l'oreille que oui, vous pouvez tout faire ensemble, mais sache que c'est mon mari, lui, c'est mon homme. Fais tout ce que tu veux, mais lui, c'est mon homme, il m'appartient. Donc, je m'efforce à avancer vers le lavabo, j'ouvre le robinet, je regarde à travers la glace. Donc, parce que quand tu es devant le lavabo, derrière toi, c'est directement le lit. C'est directement le lit. Donc, je regarde à travers la glace et je vois le gars est en train de s'amouracher avec la dame. Mais quand je regarde bien à travers le miroir, c'est pas un être humain, en fait.
Moi, j'avais vu d'apparence une femme, mais ce n'était pas un être humain. Et j'avais comme l'impression qu'elle aspirait de la lumière en lui. Elle aspirait de la lumière en lui. Ils étaient en train de s'embrasser. Elle était en train de le lécher. Moi, je regardais ça à travers le miroir et au fur et à mesure, je m'affaiblissais. Et c'est à ce moment que je n'arrêtais pas de crier, Seigneur, Seigneur, donne-moi la force, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la force, donne-moi la force. Et je me suis réveillée en sursaut. Quand je me réveille en sursaut, le gars, il est assis, il me regarde. Mais je transpire à goutte parce que le réflexe que j'ai, c'est de me lever justement, aller mouiller le visage parce que je me sentais tellement faible et affaiblie. Je me sentais tellement faible. Je manquais de souffle, je manquais d'énergie. Donc je suis allée m'abreuver. Le gars me regarde. Il me demande, tu reviens d'où? Je pose la question, je reviens d'où? C'est-à-dire, il me dit, non, je te demande où tu reviens. Je lui dis, mais on est dans ta chambre, je reviens d'où? C'est-à-dire, tu es assis, tu vois comment je me réveille à peine. Après, bon, je vais, je m'abreuve et tout. Après, je m'allonge, je dors. Le matin, le gars m'accompagne chez moi, il démarre le véhicule, on arrive, il me dépose. Mais le gars, il est en colère. Il ne me parle plus. Je pose la question, mais lui, qu'est-ce que tu as? Le gars, vraiment, il est dans tous ses états. Je demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Le gars me dépose. Mais après, il m'envoie un message comme quoi, tu as osé prendre mon téléphone dans la nuit, appeler ma femme. Et du coup, elle et moi, on a des problèmes parce qu'elle m'a menacé, que toi, tu l'as appelé, tu l'as menacé, tu l'as dérangé et qu'elle ne veut plus avoir affaire à moi. Je dis, mais ta femme, je savais pas que tu avais une femme, je savais pas que... Je lui ai posé la question, mais tu me parles, parce que je n'avais pas fait le rapprochement sur le coup. Mais tu me parles de quoi? Ta femme, c'est qui? Elle est où? Je ne l'ai jamais vue, je ne savais même pas que... Je ne touche même pas ton téléphone. Il me dit, non, tu as appelé quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est arrivé, en plus, si tu ne l'as pas appelé, mais il y a quelqu'un qui est arrivé et ton esprit l'a dérangé à tel point qu'elle est partie, ça. Mais c'est après que je me rappelle du songe, mais dans le songe, j'étais affaiblie. Mais lui, il me fait comprendre que... Et jusqu'à présent, mon gars m'avait bloqué, il ne m'avait plus jamais appelé. C'est pour me dire que dans la vie, il faut faire attention. Il y a des hommes qui vont vous dire, oui, c'est un fantasme. Mais après, derrière ça, est-ce que c'est vraiment un fantasme? Est-ce qu'il n'est pas dans des pratiques quelconques? Est-ce qu'il ne travaille pas avec des esprits malsains pour soutirer les gens de l'énergie et autres? Donc voilà, c'est un peu mon histoire que je voulais partager avec vous. Soyons attentifs et demeurons dans la prière. Parce que c'est justement le Jésus que j'ai invoqué là qui les a tous déstabilisés. Comment peux-tu être avec un gars qui lui, il fait le rapport par derrière? Des gens comme ça là, comme tu viens d'expliquer. C'est bizarre. Et les gens pensent que c'est juste de la blague. Maintenant, regardez. Mais c'est pas tout. Allons-y plus loin. Bonsoir. Parole de Dieu. Oui, alors je vais raconter l'histoire que je voulais raconter la dernière fois et puis j'ai été coupé parce que ma connexion n'était pas bonne. Voilà, je me rappelle. Il s'agit de l'histoire de deux sportifs de haut niveau camerounais qui devaient être sélectionnés pour les Jeux Olympiques. Après toi, qu'on avait dû commencer par les noms des gens. Hein? Voilà. Ah, mais compte beaucoup sur moi. Non. Ne t'inquiète pas, moi, je ne vais pas le faire. C'est quelque chose d'assez actuel, donc je ne vais pas prononcer les noms ni quel sport ils font. Alors, c'est des sportifs de haut niveau. On les mettait deux à deux par chambre. Les deux, s'ils dormaient dans la même chambre, ils faisaient le même sport, mais pas dans la même catégorie. Et l'un des deux a une maman qui lui dit toujours, prie beaucoup avant de dormir. Quand on te met avec tes collègues qui font le même sport que toi, tu sais que vos milieux là, c'est louche. Mon fils prie avant de dormir. Le fils dit, oui maman, j'ai compris, mais il ne prie pas. La première nuit, dort, il se réveille fatigué le lendemain. Il ne comprend pas qu'est-ce qu'il a. C'est comme si on a absorbé son énergie la nuit. Il parle à sa mère lui dit, mon fils, je t'ai dit de prier. La deuxième nuit, il prie, il se couche, il dort. Il rêve qu'on a mis quelque chose dans son lit qui dévore son énergie, bien cousu dans une peau de bœuf, comme tu sais ce que les marabouts causent souvent là. Bien cousu. Il se réveille le matin, il prie.
Le lendemain, il fait le même rêve, mais cette fois-ci, il arrive à se réveiller. Effectivement, quand il se réveille, il trouve qu'il y a une sacoche bien cousue en peau de bœuf qu'on a déposée sur son lit, c'est collé à son corps. Et c'est bien collé sur lui, il se sent fatigué, il ramasse la chose, il met dans son sac à dos. Il est peut-être 3 heures du matin, il s'en va à leur salle de conférence où ils se réunissent à l'hôtel où ils étaient. Il prie, il a pris peur. Il garde la chose dans son sac. Il prie. Il appelle sa maman. Sa maman lui dit, tôt le matin à 5 heures, viens me voir avec. Son fils est venu la voir avec. Ils ont prié, ils sont allés voir le prêtre. Ils ont prié, ils ont brûlé. Quand il revient dans la chambre, il revient vers 6 heures, 7 heures. Il trouve que le propriétaire de la chose a déjà retourné les effets. Fouillé partout. Fouillé, il n'a rien dit. Il a fouillé. Il constatait que dès qu'il sort seulement un peu, son collègue fouille ses effets. Il fouillait son fétiche, il a fouillé, il n'a rien trouvé. Quand on a fait les sélections, lui qui avait le fétiche qui est perdu, ça n'a pas fonctionné. Et celui sur qui déposait le fétiche, on l'a sélectionné, il est parti. Comme quoi, c'est le travail qui paye. Toutes ces histoires de mysticisme et autres là, ça a une fin. Mais je conseille aussi des gens qui font le sport à un haut niveau, de comprendre que c'est un milieu dangereux. Il ne faudrait pas qu'ils soient négligents. S'ils savent prier, qu'ils prient. On ne va pas dans ce milieu juste comme ça. Tu dis que tu comptes sur toi-même. Les autres ne comptent pas sur eux-mêmes. Parfois, ils ne sont pas des gens simples. Donc, voilà ce que je voulais raconter. Faites attention à vos vies et ne croyez pas que le monde est simple comme ça. Portez-vous bien, bonne soirée. C'est l'histoire que je voulais raconter. Les choses sont désormais claires. C'est un truc hors du commun, ce qui se passe dans le monde. Mais c'est pas tout. Écoutons encore quelque chose d'extraordinaire. Tu as été élu. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. Vous? Je vais très bien. Hein. Ok, merci. En fait, ça fait longtemps que je suis votre émission. C'est ma petite histoire. Merci pour le courage qui est venu dans toi aujourd'hui. Merci. Ok. L'histoire, c'est que j'avais 13 ans. Il y a un moment où notre famille a demandé à ce que nous puissions nous rendre au village, tous les enfants, dans les cadettes, les cadets et les cadets, des cadettes de la famille, devraient aller au village pour connaître nos racines, quoi. Et moi, j'étais parmi ces gens-là. Alors, nous sommes partis ensemble pour que nous puissions aller voir le tombe et la tombe de notre grand-parent. Celui qui a mis mon papa au monde, quoi. Parce qu'il était du genre... c'était la famille royale, notre famille était la famille royale, les chefs coutumiers, des choses comme ça. Mais alors, nous sommes arrivés, on nous a accueillis avec la fête et tout ça. Bon, les choses qui se passent au village là, c'est quand les gens viennent, c'est tout le village qui s'est réuni avec des chassons, avec des danses, des trucs comme ça. Mais alors, le soir, avant de dormir, notre grand-mère nous appelle. Elle nous dira, bon, vous dormez, mais avant, si tu as envie d'aller dehors pour te soulager, il faut me réveiller. Il faut me faire signe que tu as besoin de te soulager. Moi-même, je vais t'accompagner. Ok, d'accord, on a dormi. C'était une grande chambre où on a mis beaucoup de lits. On dormait ensemble, en fait. Moi, la nuit, j'ai oublié même ce qu'on nous a dit. Je suis sortie dehors. Je voulais aller me soulager. Bizarrement, quand je suis dehors, je vois une lampe tempête qui venait vers moi. Une lampe que allumée. Ça vient comme un oiseau. Ça s'est figé juste devant ma tête. Et moi, j'étais comme si j'étais hypnotisée, en fait. Je ne pouvais pas crier, ni parler, ni quoi que ce soit. Et bizarrement, ma grand-mère, là où elle était dormée, endormie, j'étais comme si c'était la présence d'esprit, en fait. Elle s'est réveillée. Elle est venue vers moi, elle m'a prise, on est parti dormir avec elle. Après, les matins, elle sort dehors. En fait, je pouvais écouter ce que les gens parlaient autour de moi, mais je ne pouvais pas parler ou m'expliquer ou faire des mouvements ou des gestes, non. J'étais vraiment figée.
Alors, elle sort les tam-tams là, du village, là, elle commence à battre les tam-tams pour que tous les villages viennent se réunir pour la réunion, en fait. Et tout le monde sont venus. Alors, elle a commencé à se fâcher, crier. Bon, c'était la langue que je ne comprenais pas. C'était la langue du village, quoi. Je ne savais pas ce qu'elle était en train de raconter. Alors, elle tourne parmi les gens, elle ramasse une dame. Elle dit, toi, passe devant. Elle a fait passer et puis on lui a dit, c'est toi qui as fait ça, ma petite fille. Je voudrais ce corps, tu la libères. Et la dame a commencé à faire danser, c'était aussi vrai. Elle a commencé à faire des trucs, donc moi je ne comprenais pas. Elle m'a touchée, elle m'a mis de l'huile, des huiles sur le pied, tout ça, tout ça. Et moi j'ai sursauté là où j'étais. C'est comme ça que j'ai commencé à pleurer, je ne savais même pas d'où j'étais. Et après, tous les villages ont commencé à tabasser la dame, on l'a frappée, on est parti brûler sa maison et refouler du village immédiatement. On a dit non, tu ne peux pas toucher à la petite fille du chef de ces villages. Donc, c'est-à-dire que toi, tu es déjà banni. Et c'est mon papa qui écoute cette histoire. Le lendemain, il vient me prendre immédiatement en disant non, vous voulez sacrifier mon enfant, vous voulez manger mon enfant. C'était juste pour donner un petit conseil quand vous arrivez dans. Dans un milieu que vous ne maîtrisez pas, en fait, il faut toujours écouter les aînés. Ils savent de quoi ils parlent souvent. Si ils nous interdisent quelque chose, il faut vraiment suivre, il ne faut pas faire d'études. Il n'y a rien qui peut m'arriver. En fait, c'était juste ça, mon histoire. Merci. Donc, on demandait en commentaire, tu es... Je viens. Quelqu'un de vendre ta voix depuis des commentaires comme ça, tu veux... Les gens ont vécu... Écoutons encore un autre témoignage. L'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire qui m'est arrivée avec un esprit jaloux, en fait. Un esprit jaloux. Je ne sais pas si c'est mystique ou bien si ce ne l'est pas. Bon, l'histoire m'est arrivée en 2018 passé. Donc, c'était un dimanche, j'étais posé à la maison le matin. En bas de notre maison, puisqu'il y avait un coiffeur qui travaillait là-bas. Et lui et moi, on était des amis, donc j'étais à son salon, assis, en train de regarder le paysage. Et du coup, il y avait une fille qui était nouvellement dans le quartier, en fait. Elle avait déménagé avec sa mère, donc elle est venue. Elle m'a salué, m'a dépassé, elle est rentrée dans le salon et a demandé au coiffeur s'il pouvait aller la déposer au marché. Le coiffeur lui a dit que non, lui il est occupé, donc moi je suis là, elle n'a qu'à m'en parler et si moi je n'ai rien à faire, je vais aller la déposer au marché. Donc elle est venue, elle m'a approché, on s'est salué, on a parlé, je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème et c'était à moto. Comme elle ne pouvait pas louer la moto, donc comme moi je le pouvais, alors je me suis proposé qu'il n'y a pas de problème. Je suis allé la déposer et à mon retour, elle a commencé à me poser des questions sur ma vie. Genre, je m'appelle comment et qu'est-ce que j'ai fait dans la vie et tout. Moi, je lui ai répondu tout sans rien cacher. Et je suis un gars, généralement, j'aime pas me mêler de la vie des gens. En savoir quelque chose sur la vie des gens, ça me plaît pas. Donc, du coup, je ne lui ai rien demandé sur sa vie. Et 3 secondes après, c'est elle-même qui a commencé à se déballer. Ouais, maman, je m'appelle comme ça. On a nouvellement déménagé ici et tout et tout et tout. Et moi, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et c'est gentil de faire ta connaissance. Et arrivé à la maison, elle m'a proposé de lui apprendre à rouler la moto chaque soir, si j'ai le temps. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème, vu que le soir, je n'avais pas d'emploi du temps à l'école. Donc, chaque soir, on allait au terrain pour lui apprendre à rouler la moto, tu vois. Et au fil du temps, on est devenu intime. On a commencé à s'échanger, on était venus de vrais amis en fait, tu vois. Et dans cette amitié, elle était tombée amoureuse de moi, sauf que moi je ne le savais pas. Et son esprit n'aimait pas ça aussi. Et arrivé à un moment, un jour, elle était amie avec la copine d'un ami, tu vois. Donc mon ami était allé chercher sa copine pour aller faire une course avec sa copine. Donc elle y était là-bas.
Donc, mon ami, en fait, est allé trouver la fille en train de faire mes éloges. Ah, tu sais, pourquoi il est comme ça? C'est un gars formidable, il est séduisant, il est drôle, il est tout comme ça, il est tout comme ça. Donc, mon ami, il est venu, m'a appelé, il m'a dit, tu n'as rien remarqué avec ton ami. Moi, je lui ai dit non. Je n'ai rien remarqué parce que moi, quand je suis avec une fille, je la vois tant qu'une femme, pas comme copine. Je n'ai rien dans la tête, quoi. Si on se retrouve sur le chemin de l'amitié, c'est l'amitié jusqu'à la mort. Si on se retrouve sur le chemin de l'amour, c'est l'amour jusqu'à la mort, tu vois. Il m'a dit, ok, tu sais, elle est grave amoureuse de toi. Donc, tu n'as rien remarqué. Moi, je lui ai dit non, je n'ai rien remarqué. Elle m'a dit, bon, je fais gaffe. Donc, le soir, quand on ira au terrain de faire attention à ce qu'elle va faire pour voir si réellement, même je veux voir ici. Moi, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Le soir, on est allé au terrain, j'ai commencé à surveiller ses gestes et ses mots. Donc, arrivé là-bas, elle a commencé à me poser des questions sur ma copine. Moi, je lui ai dit, ouais, j'ai une copine. Elle m'a dit de laisser ma copine. Elle ne m'aime pas. Moi, je lui ai dit, ah, donc ce que mon frère, mon ami m'avait dit, c'est vrai. Et au fil du temps, déjà, son esprit lui avait dit qu'il n'aimait pas qu'elle soit avec moi. Donc moi, je n'étais pas au courant. Il causait, mais moi, je n'étais pas au courant. Un jour, je dormais, j'ai fait un rêve bizarre où j'étais endormi et un esprit est venu s'accroupir sur moi et me fixait. Il voulait me faire du mal, mais il avait une incapacité de le faire. Moi-même, j'ai rien compris. Et le lendemain, je me suis réveillé, je suis parti à l'école. Je suis revenu. Le soir encore, on est allé. Elle ne m'a rien dit. Et comme j'avais pour l'habitude d'aller au marché vendre des sachets plastiques à 50 francs aussi. Donc, le lendemain, je suis parti au marché. Et à mon retour, en arrivant au carrefour de notre maison, l'esprit est venu se placer devant moi. Et a commencé à me fixer. Mais moi, je ne sais même pas par quelle force de Dieu, je n'ai pas eu peur. Moi, j'ai aussi commencé à fixer l'esprit. Tu vois, donc on s'est fixé. À un temps, je suis passé. Donc, il m'a suivi. Et à un moment donné, j'ai regardé à côté, je ne l'ai pas vu. Et c'est ce jour-là, j'ai dit à la fille, tu sais, quelque chose est venu me regarder. On s'est vu, on s'est fixé. Mais je ne trouve pas ça normal. Et elle a chuchoté en bas de ses lèvres. Oh merde, il est venu, il a fait ci, il a fait ça. Tu vois. Donc, du coup, on était ensemble. L'esprit est venu, mais moi, je ne pouvais pas le voir. Il pouvait être à côté de nous, mais moi, je ne le voyais pas. Elle commençait à parler avec l'esprit. Moi, je lui ai dit, c'est quoi? Il a dit, il est là, le voici à côté de toi, mais tu ne peux pas le voir. Donc, du coup, on est allé chez un traitant. Un de ces traitants, lui. Donc, lui, il a fait quelque chose. L'esprit est descendu en elle et l'esprit m'a appelé. Je suis venu. À ce moment, je ne connaissais rien des histoires des esprits. L'esprit m'a appelé. Je suis venu. L'esprit m'a mis en garde de laisser la fille. Qu'elle aime la fille plus que tout au monde. De laisser la fille si je ne veux pas avoir de problème. J'ai pris ça pour des banalités, tu vois. Donc, j'ai continué mes relations avec la fille sans pour autant être avec la fille comme copain-copine, mais toujours amicalement. Tu vois, donc j'ai commencé à avoir des problèmes dans la famille, j'ai commencé à avoir moins de sous dans la journée, même quand je vais au marché, je ne vends plus trop, tu vois. J'ai commencé à avoir des petits problèmes et j'en ai parlé à mon père. Mon père m'a envoyé chez un traitant, un de ces traitants aussi, qui nous a dit de faire des sacrifices pour aller me confier à lui, à l'esprit en fait. Et il a dit un des proverbes que si tu confies quelque chose à un esprit qui veut faire du mal à cette personne, l'esprit ne pourra rien faire à cette personne. Et on est allé au bord de la mer, on a fait des sacrifices, et on a jeté sur l'eau et ça flottait. Et du coup, à un moment donné, ils sont venus prendre, on n'a plus vu les choses. Et après, l'esprit est descendu à la fille et m'a dit que les offrandes que j'ai faites, qu'il a reçu ça et tout, que donc il a compris qu'il n'y avait rien entre nous et qu'on pouvait continuer notre relation.
et si je pouvais même marier la fille, parce que la fille, elle était mariée, mais elle n'était pas joyeuse, elle avait des problèmes avec son mari, et la relation, et comment dirais-je, la relation chutait un peu. Donc, il m'avait même demandé de marier la fille, mais la fille avait déjà un enfant, et c'était pas possible pour moi de le faire. Et du coup, c'est un peu ça l'histoire. Donc, parce qu'elle avait un enfant, tu ne peux pas l'épouser. Ah, en tout cas, parce que j'ai peur pour côté de ma mère, quoi. Est-ce que ma mère va accepter que notre match commence à 1-0? Comment t'as dit ça? Seigneur Jésus. Ouais. C'est vraiment compliqué ce monde. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Hein? Écoutons encore une autre histoire. Histoire? D'accord. Donc, je voulais expliquer une petite histoire que j'ai vue à mon école quand j'étais en classe de seconde. En fait, c'était une soirée, un soir où on devait aller faire les épreuves physiques là. Maintenant, avant même les épreuves physiques, on était en classe et puis on a entendu. Il y a des filles de seconde, de la classe de troisième et quatrième, qui étaient en train de crier, qui couraient dans l'école. Genre, vous voyez quand il y a un génie qui prend quelqu'un là, c'est-à-dire que... En fait, mon fils est couché sur moi. Enfin, en fait, c'est couché. Non, laisse les commenter. Mais en même temps... Pourquoi les... Mais il n'y a pas le lit là-bas. Donc il se marche sur le sol. Si. Mais il veut coucher sur le lit, non? Il est couché. Comme ça, je vais pouvoir respirer facilement. Sinon, on pense que tu es en train d'étouffer là. Ok. Donc je disais que il y a des filles de 3e et de 4e qui commençaient à courir dans l'école et qui criaient. Bon, comme moi j'ai beaucoup vécu avec mes tantes, mes cousines qui avaient beaucoup les génies là. Donc moi je me suis dit, ah peut-être que ce sont les génies qui ont pris les filles là. Mais au fur et à mesure que les filles tombaient, c'était pas elles seules. Quand une tombe, l'autre tombe. Quand une tombe, on peut dire qu'à peu près toutes les filles de 3e, de toutes les classes, de tous les niveaux en fait, 3e, 4e, elle tombait et elle courait dans l'école. Et maintenant, il y avait un jeune dans ma classe. Il y avait un jeune dans ma classe, lui, il était beaucoup spirituel, c'est-à-dire il priait beaucoup. Donc, il y a une parmi elles qui est rentrée dans ma classe avec la force. Elle a commencé à courir derrière le gars, on ne comprend pas. On dit, mais pourquoi elle court derrière lui? Elle ne le connaît pas. Elle est en 3e, nous, on est en 2e. Elle ne le connaît pas. Pourquoi elle court derrière lui? On ne comprend pas. Ça fait que le gars, il est parti à la maison, en fait, parce qu'il ne pouvait pas... Il pouvait pas rester. Tellement qu'elle a poursuivi dans l'école, là. Elle a poursuivi dans l'école. Maintenant, nous, on est parti faire l'épreuve physique. Les filles ont commencé à toujours courir, à crier dans l'école, tout et tout. Et puis, il y a un truc, comment on appelle, il y a une petite fille qui courait parce qu'elle avait peur. Donc elle courait et puis elles ont poursuivi la petite fille là. La petite fille est partie se cacher derrière la cantine. Elles sont parties derrière la fille. Je ne sais pas ce qu'elles ont fait à la fille là. Mais elle aussi, elle a commencé à crier et puis elle les a suivies. Ils ont commencé à courir. Maintenant, on était en train de faire l'épreuve physique et puis elles sont venues dans... Ok, elles sont venues dans notre... où on était en train de, sur le terrain. Et puis le gars derrière qui elle courait, elle a commencé à le chercher. On ne sait pas comment elle a connu le nom du gars parce qu'elle ne le connaît pas. Elle a commencé à le chercher. Et puis on dit il n'est pas là. Elle s'est retournée. Maintenant, vu que moi je ne supporte pas trop ce genre de truc là, donc le soir moi je suis partie à la maison. Il y a ceux qui sont restés pour suivre le truc et ils ont dit que Ils ont appelé des pasteurs pour venir à l'école. Donc, ils ont rassemblé toutes ces filles-là dans une salle. Et puis, le pasteur a prié sur elles.
C'est là maintenant elles vont commencer à avouer. Déjà, ce n'était pas une affaire de génie, c'était la sorcellerie en fait. C'était la sorcellerie. Donc, elles ont commencé à avouer. Il y a des professeurs dans l'école qui sont décédés. Il y a des élèves dans l'école qui sont décédés. C'est eux, ce sont les filles en fait qui ont pris ces professeurs, ces élèves, tout et tout. Donc, il y a une dedans qui devait livrer son papa. Heureusement, son papa est venu ce jour-là. Ils ont appelé les parents de tous les enfants. Là. Donc, elle a dit que non, je devais livrer mon papa. Il y a une qui a dit là-bas que je devais donner ma maman, tout et tout. Mais heureusement que le pasteur a prié. Je ne sais pas s'il les a délivrés. Mais ce qui a été bizarre, en fait, le fondateur de l'école, c'était un Libanais. Lui, on l'a expliqué le problème. Normalement, en tant qu'un fondateur, si tu dois protéger les élèves de ton école, les professeurs, tout et tout, tu dois normalement renvoyer ces élèves-là. Mais le fondateur n'a même pas branché. Il n'a même pas branché. Il n'a même pas dit un mot. C'est-à-dire qu'il n'a pas puni ces élèves-là. Il les a laissés dans l'école comme s'il n'y a rien. Comme si rien ne s'était passé. Rien du tout, du tout. Vous voyez? Donc, le conseil que je pouvais donner, c'est que tout ce qu'on voit, c'est-à-dire les gens qui tombent dans la rue, on se dit que peut-être c'est génie qui est derrière. Et c'est pas génie. Tout n'est pas génie. Hein. Ça peut être génie, mais tout n'est pas génie. Tout n'est pas génie. Ça, c'est un truc, comme on appelle, sorcellerie. Il y a génie et puis il y a sorcellerie. Génie, là, c'est peut-être on peut dire les maris de nuit, les femmes de nuit, ou bien les esprits qui nous suivent ou des trucs comme ce que le monsieur a expliqué, esprit jaloux, là. C'est ça qu'on peut appeler génie. Mais la sorcellerie, même, il y a beaucoup de sorciers qui tombent dans la rue aujourd'hui. On se dit que c'est génie. C'est pas génie. On doit vraiment faire attention. Donc, c'est la petite histoire que je voulais expliquer. Merci beaucoup. Nous avons entendu ça. Vraiment, il y a beaucoup de choses sur cette terre. Merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. Si vous êtes de retour pour la prochaine de Sainte-Bonne, que Dieu bénisse et qu'il vous garde.